regarder et voir sont deux verbes similaires, proches, mais qui peuvent poser problème. Pourquoi ? C'est une vidéo que vous m'avez demandé depuis un certain temps. J'ai essayé de vous expliquer la différence entre les deux sur Instagram à travers des vidéos, à travers des stories, mais c'est toujours difficile et je comprends pourquoi. Donc avec cette vidéo, je vais essayer de vous proposer quelque chose d'un petit peu plus complet avec des exemples différents. J'espère que vous y verrez plus clair à la fin. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de l'aimer, de la commenter, de la partager, de vous abonner. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et sur TikTok. Et si prendre des cours avec moi vous intéresse, vous pouvez me contacter ici. Il y a également toutes les informations sur le site dans la description. C'est un peu difficile de filmer aujourd'hui parce que j'ai pas le trépied, donc je tiens avec mon bras. Je suis pas chez moi. Donc voilà, si ça bouge un peu, je m'excuse. J'ai un peu mal au bras, je risque de changer de place parfois. Ou pas, on va voir. J'espère que cette vidéo sera quand même agréable à regarder. Sinon, je m'excuse. Ok, on va commencer avec quelques phrases à compléter. Vous devez choisir le verbe voir ou regarder. Il a un accident de voiture. Il a vu un accident de voiture ou il a regardé un accident de voiture. La bonne réponse ici est vu, voir un accident de voiture. En fait, les deux phrases seraient correctes. Mais si on dit j'ai regardé un accident de voiture ou il a regardé un accident de voiture, ça veut dire que c'est quelque chose d'intentionnel, quelque chose d'actif. C'est-à-dire qu'on a l'image de quelqu'un qui voit, qui observe qu'il y a un accident de voiture et qui décide de prendre le temps de s'arrêter, de bien regarder ce qu'il s'est passé. Donc c'est un peu bizarre. Franchement, voilà, on regarde pas les accidents de voiture. En général, non. Tu peux voir, malheureusement, ça peut arriver, mais regarder, c'est l'idée de avec insistance. Deuxième exemple un peu similaire, Julie, en centre-ville. Donc, je vois Julie en centre-ville ou je regarde Julie en centre-ville. Qu'est-ce que vous en pensez? Même chose que pour l'accident de voiture, si vous regardez quelqu'un, c'est vraiment avec une intention, c'est-à-dire que c'est actif. Vous regardez peut-être fixement la personne, vous la dévisagez, alors que voir, c'est simplement observer avec les sens quelque chose de passif. Dernier exemple, j'ai un film hier. Est-ce qu'on va dire j'ai vu un film hier ou j'ai regardé un film hier? Dans ce cas-là, les deux seront possibles. Je vais revenir sur cette phrase un peu plus tard, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc, mais quelle est la différence entre regarder et voir? Comme je vous l'ai un petit peu expliqué avec les exemples, regarder, c'est vraiment quelque chose d'actif, quelque chose d'intentionnel. Je regarde, je fais l'effort de regarder quelque chose. Alors que voir, c'est l'observation par les sens, par la vue, peut-être pas intentionnel, plutôt passif. Donc en anglais, en fait, regarder, ce serait comme watch et voir, ce serait comme to see. Donc pour regarder, on va vraiment se concentrer sur une personne ou sur un objet. On fait exprès, encore une fois, avec intention. Donc on porte un regard sur quelque chose. Voir, ce sera plus la perception visuelle, pas forcément avec une intention particulière. D'où l'exemple de « j'ai vu, il a vu un accident de voiture » en opposition à « il a regardé un accident de voiture ». Regarder, c'est bizarre, voir, c'est pas intentionnel. Donc si vous voulez juste décrire quelque chose que vous pouvez visualiser, vous allez utiliser « voir ». Oh, je vois les arbres, je vois les oiseaux, je vois, oh, il y a je vois qu'il y a quelqu'un dehors. Et si là je change avec regarder, oh, je regarde l'arbre, je regarde les oiseaux, je regarde la personne dehors, c'est encore une fois avec intention, vraiment l'idée de je vais fixer cette personne, cette chose. Voir aussi, ça peut être la capacité à percevoir quelque chose. Donc vous pouvez poser la question, est-ce que tu vois le nuage ? De cette forme là-bas. Ah oui, je le vois. Alors que si je disais, est-ce que tu regardes le nuage de cette forme là-bas? Ça veut dire ici, j'imagine que la personne est en train de regarder ce nuage parce qu'elle fixe le ciel depuis 3 minutes et moi aussi j'ai vu
le nuage, ça a attiré mon attention, donc je le regarde depuis tout à l'heure et je me demande si elle le regarde aussi. Vous voyez la différence entre les deux ? Autre chose avec voir, c'est pour dire rencontrer quelqu'un. Donc au lieu de dire j'ai rencontré mes amis, j'ai rencontré mes parents ou j'ai rendu visite à mes parents, c'est beaucoup plus naturel de dire j'ai vu ou je vais voir. Je vais voir mes parents ce week-end, j'ai vu mes amis le week-end dernier, c'est beaucoup plus naturel. Mais alors enfin, pour voir ou regarder un film, pourquoi les deux sont possibles ? En fait, en théorie, ça va être une question d'expérience, de temps, d'utilisation de temps. Si je veux utiliser regarder un film, c'est plus quelque chose pour parler de l'action, quelque chose qui se passe à un moment spécifique. Donc, je suis en train de regarder ce film. Ou alors, elle regardait un film quand il est arrivé. Donc c'est vraiment l'idée d'un moment spécifique. Alors que voir, ce sera plus utilisé dans l'expérience. Donc par exemple, ah, j'ai déjà vu ce film. Ou alors, ah, je pense que ce week-end, je vais voir un film. Après, parfois, on peut intervertir les deux. C'est vrai qu'on peut dire, ah, ce week-end, je vais regarder un film, je pense. Parce qu'on a l'idée de moment précis, ici. Donc c'est un peu... La différence est très fine parce que ça dépend si on parle d'une expérience ou d'un moment précis. Parfois, les deux se confondent un peu. Mais voilà, c'est l'idée de la différence entre voir et regarder. J'espère que maintenant, vous y voyez un petit peu plus clair et pas regarder. Encore une fois, je comprends la difficulté parce que la différence est très fine, mais il y a une différence qui peut être importante quand même. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et moi, j'aimerais que vous écriviez un exemple. Choisissez voir ou regarder et proposez-moi une phrase avec un petit contexte dans les commentaires. Et en attendant, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de l'aimer, de la commenter, de la partager, de vous abonner et retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok. En attendant, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.